Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui c'est jour de chasse, on se retrouve sur The Hunter Call of the Wild dans la réserve de Hirschfelden, gameplay partie 10. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Donc lors de la dernière vidéo de Hirschfelden, au niveau des missions, il faut que je prélève un renard abattu avec un arc de 60 livres. Et je pense que là j'ai fait les choses bien. Genre, je me suis équipé du CB 60, puissance maximum 60 LH. J'espère que je me suis pas trompé et que c'est ça, parce que j'ai pas regardé à quoi ça correspondait sur internet. Du coup, on va croiser les doigts pour que ça marche. Je me suis équipé des flèches pour les renards roux. Donc, du coup, en plus, apparemment, il y en a juste à côté de moi. Parce que depuis tout à l'heure, j'en entends gueuler. J'en entends aboyer. Donc, je vais pas mettre de camouflage olfactif pour l'instant. Je sais pas comment tu m'as vu. Bah viens. Celui-là, normalement, elle n'est pas censée me voir, hein. Clairement.
je sais pas où elle va être. Je sais pas si elle est proche de moi. Là. D'accord. Elle est vachement loin, hein. 60 mètres, à mon avis. Maintenant, Clark est... Ouais, il la repère pas. Il la repère pas, elle a pas vu la flèche. C'est cool que j'arrive à l'avoir du premier coup. Je vais pas risquer de bouger. Normalement, elle devrait être par là, là. Elle est où? Là. Ah mais ça c'est un sanglier, ça je m'en fous. T'es où ma mémère? Pas du tout envie de risquer de bouger parce que si je bouge et que les arbres en face de moi ne me protègent pas, elle va me griller et elle va se barrer. Voilà. Me voir. Là, elle me voit pas. Faut que j'arrive à aller en face. Ce que vous avez vu là, pour cette mission, même les femelles sont en moyen. Donc en moyen, du coup, les animaux se méfient beaucoup plus. Bon, je crois qu'elle s'est tirée en fait, hein. Cri d'accouplement, buffle, bison, pardon. Pourtant là, j'ai pas fait de bruit, hein, je... Je sais qu'il y a les sangliers qui se sont barrés, du coup. C'est un peu dommage d'ailleurs.
tu as défaut de tirer un renard. Là, vous allez voir que je vais avoir les traces des sangliers, mais pas du renard. Elle se serait barrée par là. J'essaye de me caler dans une position confortable où j'ai pas mal au dos. Un peu compliqué là, je vous cache pas. Bon. Bon là par contre je vais courir hein, parce que j'imagine bien qu'elle s'est tirée moi. Ouais, elle s'est tirée au galop même. Ah là là, puis là c'est la merde. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes si tu me vois. Parce que là j'ai aucun arbre qui peut me planquer. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-haut? Oui, c'est bon, je sais. J'ai compris. Mais t'es où? Et puis là, il y a un gros arbre, alors. Ah. Et j'ai pas envie de la shooter avec carabine, hein. Je dois vraiment la shooter avec des balles. Enfin, avec des flèches, pardon. Non, elle va pas être là. Elle a aboyé par là. Puis elle est pas curieuse pour un sou, hein. Elle est vraiment méfiante. Ah, est-ce que je vais la voir? Oh putain, c'est pas vrai. Oh dommage. Bon bah là, c'est mort. Ah, c'est hyper dur avec l'arc.
Mais non, mais non, mais non. Elle est où le... En fait, il faut qu'elle soit vraiment très très proche de moi pour que j'arrive à la toucher, à la voir, hein, parce que... Oh, ça va être encore plus galère si elle est partie dans les fourrés. Là, je suis censé être caché, mais bon.
Ouais, génial. Avec le reflet du soleil, je vois que dalle. Vous vous souvenez la galère avec les coyotes? Bah, les renards, c'est la même. Il n'y a pas de leur olfactif, genre lapin pour les prédateurs, enfin pour les prédateurs. Y avait un animal ici qui s'est barré. Pourtant ça trotte hein, depuis tout à l'heure hein, donc regardez où je suis, normalement je devrais être caché hein. Je comprends pas pourquoi bon. À défaut d'avoir, enfin, à défaut de pas avoir le renard roux, et ben, je vais quand même essayer d'avoir un animal avant la fin de la vidéo.
Alors, j'ai mon bison à moi qui s'est littéralement envolé. Cinquante, 75. Ah non, elle est tombée. Ah, quoique. Pas forcément. Zéro vingt-cinq. Ok. Bon, le bison, il est tombé. J'ai au moins un petit lot de consolation. Là, du coup, je sais que j'ai touché, mais je sais pas à quel endroit. J'arrive pas à retrouver de tache de sang. N'importe quoi. Trace d'un chevreuil, non mais. Bon, et ben tant pis pour le deuxième bison.
je pense que j'ai bien tiré. Enfin... Arcane non vital touché, d'accord, mais voilà. Cinquante 75, ça descend quand même assez vite. Habituellement, quand j'ai mal touché, elle est pas encore 25-50. Organe non vital touché, hein, elle saigne quand même vachement vite, hein. Je m'en fous le chevreuil là, c'est le bison qui m'intéresse, voilà. T'es où toi? Si je peux te coller une balle, pourquoi pas, mais... Bon, mon bison est juste en face, hein. Le chevreuil, je le vois pas. Comme d'hab, j'entends des bruits, mais... J'arrive pas à déterminer l'endroit précis où il est. Bon, enfin bref. Serelaf. Renard. Ah, mais je te vois pas, Belin. C'est bien de gueuler, mais je te vois pas. Apparemment, là c'est l'organe vital qui a pris. Ouais. L'organe vital qui a pris et puis cher en plus. Ah, puis il est beau. J'ai jamais vu des chevreuils comme ça dans la vraie vie. Eh ben écoutez, je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus, hein. Il est beau le chevreuil là. Allez, hop, or. On va l'empailler. Tout de suite. 798. Et du coup, bah les amis, c'est sur le chevreuil en or qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'ai pas réussi à voir mon renard. Là, la mission va être très dure, je pense.
déjà pour tomber dessus, et puis après pour les attirer suffisamment près de moi, parce que j'arrive pas à... Avec la balle, bah c'est la balle hein, c'est la balle qui va jusqu'à l'animal, il n'y a pas de problème, la distance, je peux tirer, c'est la balle qui fait le reste. Avec l'arc, c'est pas pareil. Donc voilà, on verra ça pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire. C'est gratuit, c'est l'histoire d'un clic. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pardon, des prochaines vidéos. La prochaine fois qu'on se retrouve pour la chasse, ça sera Hirschfelden Gameplay partie 11. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis.